Philippe Corcuff, maître de conférences de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon et co-auteur du livre « Spiritualité et engagement dans la cité » avec Jérôme Alexandre, Awa Seniger et Isabelle Sorrent. Une tendance à associer les deux, parce que étymologiquement, dans le mot spirituel en français, au départ les usages étaient religieux, mais très tôt, à partir du XVIe siècle, il y a pu avoir des usages non religieux du mot spirituel. Nous, on entend par spiritualité la question de l'exploration du sens et des valeurs de l'existence. Tout un chacun peut se poser la question de quel est le sens de mon existence, à quoi je vais accorder telle ou telle valeur, quel rapport je vais faire entre ces valeurs, quelle hiérarchie ou pas. C'est pour nous des questions spirituelles. Elles peuvent se poser dans un cadre religieux et elles peuvent se poser dans un cadre non religieux. Ce qui crée la difficulté en France particulièrement, c'est que à cause d'une vision aujourd'hui fausse de la laïcité de 1905, qui a émergé ces dernières années, on a tendance à associer anticléricalisme, laïcité et athéisme. D'un côté et de l'autre, on va associer spirituel au religieux, et donc beaucoup de gens qui ne sont pas des croyants vont être hostiles à la notion de spiritualité. Bon. Alors qu'on pense que justement il faut essayer de reprendre la main sur cette notion de spiritualité parce que justement elle a une question individuelle et collective importante. C'est pour ça que nous on a proposé ce dialogue, ce qu'on appelle un dialogue transspirituel, c'est-à-dire où des croyants, des incroyants, des accroyants comme moi parce que je suis agnostique, peuvent discuter de la question du sens et des valeurs de l'existence. Le préalable de tout ça, c'est qu'il faut créer un espace commun tolérant, c'est-à-dire que du côté de ceux qui ne sont pas croyants, il faut refuser notamment les athées intégristes qui veulent absolument démontrer que les croyants sont des gens qui sont malades, des aliénés qu'il faudrait soigner. Et de l'autre, il faut mettre de côté les croyants qui veulent imposer, leur cadre religieux aux autres, en particulier à la cité en général. Mais en dehors de ces deux morceaux qui ne peuvent pas rentrer dans un débat interspirituel, transspirituel. Cette question du sens et des valeurs de l'existence est justement important à mener dans un débat entre différentes spiritualités.